négatif. Même si on en avait une, la révolte a causé de gros dégâts structurels. Ça va pas être de la tarte de monter là-haut. Le froid et la nature ont repris leur droit. Alors c'est là que ce métier est passé. Ouais. Le premier contact a eu lieu dans un des puits de mine. Ils ont réaffecté tous les hommes à l'excavation. Et au bout d'une semaine, les gars se sont révoltés. Ils ont fini par en avoir marre, c'est ça? T'as vu comme c'est glauque ici? Il n'y a pas de mystère. Nous trouvons ces manifestes et rejoignons les autres. Ok, on s'y met tout de suite. Des nouvelles des fugitifs? Mort, a priori. Constantin les a vus disparaître sous la glace. Mais il n'en est pas sûr. Alors restez aux aguets. Ces lumières fonctionnent encore. On dirait de la pêche blinde. Ça devait être une mine d'uranium. Ça alors, ils sont vraiment anciens. Qu'est-ce qu'ils ont découvert là-dessous ? Il y a forcément moyen de passer.
Peut-être que ça brûlerait. Une autre plaque soviétique. La médaille des héros de l'Union soviétique. C'est le plus haut titre honorifique décerné pour acte de bravoure. C'était peut-être l'un des officiers du goulag. Des traces des deux fugitifs. Je sais pas, je vois pas vraiment.
Mais j'ai perdu le contact. L'armée rouge a fini par découvrir le temple de la grâce du prophète. Ils ont arrêté leurs autres opérations et ont commencé à piller les trésors de nos ancêtres. Nous sommes prêts. Avec l'aide des autres prisonniers, nous avons réussi à rassembler des armes et des explosifs. Après avoir détourné l'attention des gardes, nous profiterons du chaos pour nous révolter. L'armée rouge a été sans pitié envers nous. Et nous ferons de même.
nous tuerons ces envahisseurs jusqu'au dernier. Alors seulement, notre secret sera en sécurité. Dans une mer de noir. Sûreté un peu, sauvegarder des fichiers pour mon usage perso, quand je suis tombé sur un fil de discussion. Me concernant. Et le pire, c'est que je crois que j'étais censé le trouver. Le chef de la sécurité sait que je diffuse certaines infos. Depuis le début, probablement. Et pour le moment, il se contente de m'observer. Histoire de voir où je veux en venir. L'ennui, c'est que je n'ai rien prévu. Je vais crever parce que je suis curieux et stupide. Je suis même plus sûr que ce canal est sécurisé. Ils t'ont peut-être déjà repéré. Je deviens parano. Mais les Trinitaires, ils plaisantent pas. Ils sont partout. Plus j'en apprends, plus je réalise à quel point j'ai déconné. Alors je vais te faire plaisir. T'avais raison. Ça m'étonnerait. Ce serait bien trop facile. Fais voir le rapport d'activité. Ils ont bien dû mentionner ce coffre. Selon le manifeste, les soviétiques auraient placé les artefacts qui ont le plus de valeur dans ce coffre. Va falloir le forcer. Qui a le chalumeau? Je m'en occupe. Bon, écoutez tous, ne touchez à rien. Faites l'inventaire de tous les artefacts que vous trouvez. Tous ces trucs sortent de la mine? Ouais. D'après les derniers rapports, ils ont stoppé l'extraction dès qu'ils sont tombés sur ce site. La révolte a commencé juste après, pour la confusion. C'est très ancien. Les inscriptions sont pas en russe. Une idée de ce que c'est? Un mélange de... À couvert.
toi et moi. Monsieur, déployez-vous. Il faut qu'on l'encercle. C'est quoi ce bruit? Je vais voir. Elle est cernée. Poussez. Toi et moi. Si on continue, ça va devenir une habitude. Merci.
Ravi que vous soyez là. C'est votre raccourci ? Ouais. Mais on ne sera pas les bienvenus. Vous n'êtes pas obligés de venir. Ça suffira pas à me décourager. Je veux toujours avoir des réponses. Alors ne perdons pas de temps.